Pierre Jolivet était en train de se demander s'il prendra demain un petit café avec du soleil sur une terrasse en Alsace. Non, il y aura là, pas beau. C'est un peu plié quand même. Il n'y aura pas de soleil. Voilà, on est ravis de l'accueillir, réalisateur. On va parler d'un excellent film qui va sortir le 8 avril, Jamais de la vie. Je fais le pitch, vous le faites ? Non, allez-y. Ah, ben, Jamais de la vie, c'est l'histoire d'un ancien délégué syndical dans une usine. Il a perdu son boulot quelques années plus tard. Franck, ce garçon est devenu agent de sécurité. Il est sur un parking, il travaille la nuit. Il est un petit peu dans l'errance. Mais c'est quelqu'un qui, on sent au fond de lui, qui a une vraie bonté. Mais qu'est-ce qu'il est seul dans cette société difficile ? Oui, mais il est en jachère, il est en attente. Je crois qu'il a raté un rendez-vous dans sa vie. D'abord, les délégués syndicaux sont ceux qui ne retrouvent jamais de travail. Si l'usine ferme, les autres oui, mais celui qui a porté vraiment sur ses épaules la lutte, en général, il n'en retrouve pas. Donc c'est une descente d'autant plus compliquée qu'on est au top du combat, du travail, de l'engagement social, et puis tout d'un coup, il se passe plus rien. Et puis sur ce parking, tout d'un coup, il y a une voiture qui passe un soir, alors qu'elle ne devrait pas être là, et puis il se dit, il se passe peut-être quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui se réveille. Et bien justement, ça se fait en images. Regardez la bande-annonce. J'y réfléchis pour la retraite. Il va falloir que je bosse jusqu'à 70 ans, avec deux petits boulots minimum. Et après, il me reste quoi pour vieillir ? C'est pas ton casier, ça ? Non, parce que si on se pique des trucs entre nous, on est mort. Il y a des trous dans votre dossier. Enfin, il y a 10 ans, après la fermeture de Saint-Ilex, vous auriez dû trouver du travail tout de suite. C'est passé quoi ? Et vous, ça se passe bien ? Ça doit pas être facile, non ? Vous en connaissez, vous, des vies où c'est facile tous les jours ? Et si tu vois un truc bizarre, tu me fais un petit rapport. Et où je te cause ? Qu'est-ce que tu cherches ? Finir toute seule comme moi ? La rage, ça mène nulle part. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, cet enculé ? L'argent, ça peut nous faire faire des conneries phénoménales. C'est pas la première fois, mais cette fois, je t'ai vu. Moi aussi, je t'ai vu. Tu surveilles ton collègue ? Il y a des connards qui sont venus me faire chier sur mon parking. Tu sais que laisser faire, ça n'a jamais été mon truc. À l'entreprise, dans la rue, il y aura toujours des salauds pour essayer de baiser les autres. Vous aviez raison tout à l'heure. Il faudrait qu'il se passe des choses. Je vais aller voir les flics, on va les niquer, ces enculés. Pas les flics. Excellent casting dedans avec cet acteur Olivier Gourmet, belge. Belge, primé à Cannes avec le Grand Prix d'interprétation pour Un Fils des Frères Dardenne. Ouais. Alors c'est pas un film pessimiste, c'est plutôt un film engagé. C'est un film sur la société d'aujourd'hui. C'est un film dur, comme le monde d'aujourd'hui qui est dur. Mais en même temps, si le film est dur, les rapports entre les gens sont pas toujours durs. Il y a beaucoup de, j'espère, d'humanité dans ses rapports avec les autres. Et puis on sent qu'il est en attente de quelque chose qui a besoin de s'exprimer, ce personnage. Et il va se passer quelque chose autour de lui qui va lui permettre de retrouver une partie de sa dignité. Alors vous l'avez dit, au cours de l'histoire, un braquage se prépare. Franck le sent. Pourquoi est-ce qu'il s'y oppose finalement ? Je crois que c'est une façon pour lui de se réapproprier son destin. Les choses se passent devant lui sans que vraiment il intervienne depuis un certain temps. Il sent bien que sa vie part un petit peu à volo. Il est un petit peu comme ces personnages qu'il y a dans Le Grand Torino de Clint Eastwood ou les Peckinpah, ces personnages un peu cabossés, puis qui ont envie d'un baroud d'honneur parce qu'ils sentent bien que l'époque ne leur va plus très bien, quoi. C'est vrai qu'entre les usines qui ferment, le numérique qui arrive, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se sentent décalés avec le monde tel qu'il va et tel qu'il évolue. Et il y a une capacité, je crois, de révolte dans ce personnage. D'où le titre. Je crois qu'il y a tous à un moment on dit tu voudrais ça ou tu voudrais pas ça, tu dis ça, jamais de la vie. Il y a dans cette phrase un refus, mais qui est un refus énergique. Ah, il y a aussi le contraste entre deux mondes. Il y a, on le voit au bout d'un moment aller manger sur un restaurant des Champs-Élysées. Et là, il est accueilli, on l'installe, il dîne bien, les gens sont polis, les gens sont souriants. Et il y a le contraste de la cité où il y a de la vie. Hein, c'est très coloré, c'est très vivant, mais avec de la délinquance, avec des tags partout, avec une violence sous-jacente. Hein.
Oui, c'est deux mondes. Hein. Manuel Valls parlait d'apartheid, c'est pas faux. Enfin, y a vraiment deux mondes différents, mais ça, c'est vraiment hérité de ma jeunesse en banlieue, parce que moi, j'habitais à la grande banlieue, et aller à Paris, dire on sort ce soir, c'était aller dans Paris, mais on se rendait pas compte à quel point c'était un monde différent. Et donc, ils étaient pas habillés pareil, ils avaient pas le même argent, enfin, tout ça était un petit peu différent, et je crois que cette différence s'est accentuée avec le temps, vous imaginez. Donc, il y a ce petit voyage à Paris qui lui fait prendre conscience à quel point tout ce monde-là est inatteignable. Et puis, en plus, il y a un événement très important dans l'histoire qui est qu'on lui calcule sa retraite. On lui dit, vous avez 52 ans si vous travaillez. Et là, quand il lit la retraite, il est comme beaucoup de gens, je fais comment là ? T'auras pas grand-chose. Oui, je vais faire comment ? Ouais. Quand je fais le calcul, je fais comment ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « je fais comment ?» Et sa révolte s'en trouve d'autant plus accentuée. Voilà, on sent la conscience de gauche chez vous. Il y a le sans-papier qui s'appelle le Kétu. Voilà, c'est cet Africain dont le pays est en guerre et il fait le même métier. Il est gardien de nuit. Il s'engage plus ou moins dans le braquage. En tout cas, c'est ce qu'on va comprendre. Il va être blessé et là, il va dire à Franck « n'appelle pas les flics. » Oui. Voilà, n'appelle pas les flics, quoi. Voilà, et là, il y a une prise en compte du malheur des autres, mais je crois que le personnage est très fier. Enfin, il aime aider les autres, il aime sauver. C'est d'ailleurs sa grande faiblesse, c'est de jamais demander à l'aide. C'est certainement ça qui va le perdre. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il est beau. Et donc, de ce personnage, au début, dont on se dit, c'est quoi sa vie ? Il est en train de surveiller ce parking. Finalement, il y a un héros qui dort en lui et qui va s'exprimer. Comment on dirige Olivier Gourmet ? On le dirige pas beaucoup. On a d'abord la chance qu'il accepte le rôle parce qu'il a adoré le scénario. Il a dit oui tout de suite. Et puis après, c'est un acteur qui fait un gros travail de fond. Et après, faut comme les grands animaux, les grands acteurs, faut les laisser vivre. Et puis on donne un petit truc à droite à gauche. Et c'est tellement facile et simple de travailler avec lui. C'est un acteur rare, assez immense. Et on le voit de temps en temps dans l'émotion là, quand sa tête là, il a l'air un peu méchant. Et on le voit de temps en temps sourire. Et c'est des sourires que vous, le réalisateur, lui avez demandé. Oui, il avait du mal à sourire dans ce personnage. Il me disait, mais tu crois qu'il sourit ? Je dis, oui, il y a des moments où il sourit. Et à chaque fois, je lui demandais de sourire. D'abord, ça le faisait rire. Il m'éclatait de rire au nez. Il dit, bon, d'accord, je vais essayer un sourire. Et à chaque fois, c'était un sourire qui illumine le film et qui lui donne un sens assez étonnant. Voilà, jamais de la vie, on le voit là, sur le parking, dans son errance. Excellent film, ça sort le 8 avril.